can talk about being Christians and loving God and being witnesses. We can talk all we want about that, but it changes nothing if the Word of God is not made flesh in us. Le Seigneur soit avec vous. We have to ask ourselves the question: are we really faithful to what our foundress Anne Marie Javouet intended when she started the congregation? Is it still pertinent today? Do we keep alive the charism in today's world? Because the situation now and the situation, of course, in her time are very, very different. So while the situation has changed, really her intention, the intention of the congregation, the charism doesn't change. Onze ans de maison mère. C'est une grâce de vivre ici, dans ce lieu qu'a acheté Anne-Marie Javouet. Un lieu béni. Elle y a vécu 2 ans, elle y est décédée. Et pour moi, c'est le cœur du cœur de la congrégation. Il y a plusieurs salles à manger. Bon, il y a la salle à manger de la communauté, il y a la salle à manger du conseil, parce que le repas, ça fait partie de la vie communautaire, se retrouver à un repas, échanger, rire ensemble, ou bien échanger des nouvelles, discuter, enfin, c'est pas seulement manger des repas. Les sœurs qui travaillent dans les bureaux ne manquent pas de travail parce que nous sommes en relation avec le monde entier, les provinces de partout. Donc ce qui fait que nous sommes de langues différentes aussi. Et il y en a qui sont plus particulièrement chargés d'interprétariat, de traduire tous les documents qui passent, transmission aux sœurs des différentes provinces. Allô? Allô? Okay, just hold on, hang on. Il y a des salles de communauté aussi où on peut se retrouver pour des temps de détente ou des temps de partage, des réunions communautaires. Donc on a une pour la communauté. Et la communauté du conseil aussi en a une. Loin là-bas. Ça y est? Oui. Qu'est-ce que tu aimes? Maman fait un petit peu plus. Attends, je vais encore plus faire. Je ne savais pas que ça existait. Des fois, il y a des personnes qui donnent des vêtements. À nous de les dispatcher pour pouvoir donner. Souvent, on envoie au Secours catholique. Ou des fois, il y a des choses qui peuvent servir quand des sœurs qui débarquent tout d'un coup d'un pays chaud ont besoin de vêtements froids en plein hiver. Nous avons des sœurs qui viennent d'autres pays et qui lui manquent de vêtements pour les enfants, pour les adultes et tout ça, ou qui organisent des containers pour aider tel ou tel pays. Donc, elles prennent aussi des vêtements. I'm Sister Raslin. I came from India. We can see in the map it is end of India. So down it is. Then I came here to help in mother house, and I'm so happy that I am in the mother house. I can see the Blessed Mother Heart every day. Et dans cette crypte, il y a le cœur d'Anne-Marie Javouet.
Parce que à l'époque, pour les fondateurs, on séparait le corps et le cœur. Mais son cœur est resté ici. Les premiers tiroirs là, c'est toutes les archives concernant la cause de la béatification de Mère Javoué quand elle a été béatifiée en 51. Donc dans ces boîtes là, nous avons les lettres de notre mère fondatrice avec ses trois sœurs, Mère Rosalie, Mère Marie-Joseph et Mère Clotilde. Les sœurs, quand elles viennent pour la préparation des vœux perpétuels, elles aiment beaucoup, même pour le ressourcement aussi. Donc, je leur sors toujours la première lettre que Mère Javoué adresse à son père. Malgré tous les refus de son père, ça n'empêchera pas de suivre sa vocation. Dans cette galerie rouge, quand nous la traversons, il y a l'oratoire Anne-Marie Javoué, qui était la chambre où Mère Javoué est décédée. C'est l'oratoire des conseillères, maintenant où elle se retrouve pour des temps de prière, mais tout un chacun peut y passer prier. Is an assembly of all the representatives of the congregation. We gather every 6 years to discuss issues of great importance to the entire congregation. So it's a very important time. We're expecting there will be 89 of us at this chapter. It's a big number. The organization of a chapter is very interesting. We usually start well in advance. This is going to be my 6th chapter. I've seen a lot of changes since the first chapter I was at. The face of the congregation has changed greatly. We have a lot more people from different parts of the world. When the sisters arrive, of course, 89 is a huge group to work with. We have to make sure that everybody gets the chance to speak, everybody is listened to. Today, as we gather for this historic moment of our general chapter 2018, we come from 5 continents, embodying the story of our people. We believe that God will favor our congregation with a new Pentecost and set us on fire as missionary disciples for a new world.
large congregation, yeah, about 2,600 roughly, and in 56 countries. C'est une richesse à partager de venir de différents pays et de différentes cultures et de vivre cette internationalité. Moi, je suis très contente de pouvoir vivre ça. Ça permet aussi de connaître des cultures différentes et puis d'avoir un autre regard sur notre propre culture et sur le monde, les réactions dans le monde. Alors, cette grande salle, elle sert pour les chapitres. On y parle plusieurs langues, le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Donc, il faut des traductrices ou traducteurs. Et ça se passe dans les cabines qui dominent cette immense salle qui reçoit les capitulantes. Parce que quand il y a un chapitre, il y a plus d'une centaine de personnes qui se trouvent là. The three priorities we came up with the congregation. The first one is that we intensify our efforts to be credible witnesses of the gospel, maintain a joyful presence in the world. The second priority is a call to be missionary disciples, to be attentive to the cries of our world today, to the needs of our world, particularly with a focus on the poor. We are a large congregation, and it's really a challenge to keep in mind that we are one congregation. We are not 56 separate groups. Soy Margarita, de la provincia Perú-Cuba. Trabajo en la comunidad de Chosica. Contenta de participar en este capítulo, la primera experiencia, donde aprenderé de lo que veo, de la riqueza de la provincia y de la congregación. Eu sou irmã Edna, sou brasileira. Eu sou muito feliz pelo trabalho que realizo no Brasil. Né? Nós procuramos trabalhar assim, acolhendo várias pessoas. Trabalhamos com mulheres em situação de drogas, trabalhamos com as crianças. Isso nos dá muita alegria, muita felicidade de poder servir a Deus nesses nossos irmãos. And then the third priority is about going forward together. The emphasis is on together. We are such a diverse congregation, diverse cultures, languages, that we all come together as one congregation. And we move forward together as one congregation to serve in our world today. Your confidence.
not a new one. It's one that began about 200 years ago. And when it began, it began with a very clear vision. That was to make Christ visible in the world. That was Anne-Marie's vision. And we continue on this journey together. Elected leader in June. There were 8 councillors elected as well. So we are a team of 9. When we come together, we share ideas. It's like weaving a fabric. Each one comes with her own color. We try to put things together, to put the stitches, if you like. Our role is really to animate the congregation, to leave the challenges, the priorities, that the chapter laid out for us. So we're doing our best to take that forward. Et c'est vrai que quand on vit à la Maison Mère, quand on a cette grâce de vivre à la Maison Mère, on est aux dimensions du monde, tout en étant dans des lieux de Paris 14e. Pourquoi notre cœur est vraiment ouvert. Et c'est aussi la joie de se dire, voilà, on est ici, mais on est là-bas aussi. Thank you.